Ici, les chemins de la lecture, c'est par là. Quel est ton nom Tape ton nom. Mmh, alors, je, bon, alors, Alors, juste au coup, je tiens exemple, à préciser un seul truc, par exemple, pour ceux qui ne dévoient que par la partir de ce LP. J'ai déjà, déjà fait un truc au coup sur pas malin avec l'îlot pirate, de, si vous voulez, en gros, euh, normalement, de manière chronologique. Celui-là, c'est le deuxième. Et le prochain, le troisième. Bon, euh, je récupérerai ça plus tard. Bon. Salut à tous, Storycraft, Lego Craft. On est là pour un petit LP sur pamana les chemins de lecture. Après avoir fait Lilou pirate, qui a été franchement sympa et qui m'ont préféré, là, je disais plutôt de revenir un peu de revenir bas sur mais faisant en fait sur deux jeux que j'ai eu à l'école. C'est cool, pas des conneries. Et donc en fait, bah, c'est les chemins de lecture et le prochain que J'apprends à lire. Bon, du coup entre en là, en, on va s'écrire euh, un nom. Quel est ton nom Tape ton nom. Du coup, on s'appeler... S O I. C R A -L T. Voilà et du coup maintenant on est parti pour commencer. Bon j'ai l'impression qu'il faudra que je fasse en one shot au niveau du tournage, mais bon vous, normalement je ferai bien cinq épisodes. Dans voyage au pays de la lecture, Sam a trouvé son château de la lecture et sa couronne. Suivons Sam pendant ses vacances, plus loin encore sur les chemins de la lecture. Donc ici, donc là, si vous voulez, c'est la map en gros, ben de, du jeu. La map du jeu. En gros, vous avez par entre là, en fait, vous avez entre 1, 2, 3 niveaux, et ensuite un niveau de pont, et ainsi de suite, 5 fois pour arriver jusqu'à ici. Et là, par exemple, bien sûr, ce qui dit par les chemins de lecture, dit bien sûr de la lecture. Donc il faudra lire. Ah, Non. <laughs> lire, oui. Et en fait, bah, en fait, il y a juste deux livres, entre un rouge et un bleu, et aussi par un mini-jeu. Bon, allez, on y va donc pour faire, si vous voulez, un peu le premier niveau entre guillemets. Bienvenue dans les bois d'automne. Notre voyage ne sera pas monotone. Trie des sons et lis des livres. Cela nous permettra de poursuivre. Hmm. Et donc, voilà, si vous voulez, un peu le. Bah, je veux dire, le bang du jeu. Bingant du jeu de chemin de Mais on a lapin, enfin, on a. Oui, il s'appelle lapin malin. On a ça, le lion et Mimi, la souris. Et par contre. Si par exemple j'ai vraiment eu ce jeu à l'école, bah, c'est parce qu'en fait il y a pas mal de mots euh, amusant, mais surtout c'est que euh, moi quand je suis autiste, j'arrêtais pas en fait de répéter en boucle. Comme par exemple ceci. Tu tapes deux secondes, Sam. Par ici le bon repas, miam miam. Par ici le bon repas, miam miam. Par ici le bon repas, miam miam Par ici le bon repas, miam miam. Fais chier, je peux pas spammer. Le 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 sac à malice. À qui... à qui, sont ces traces de pain Les marguerites font salon. Les marguerites font salon. Le papillon d'automne adore flâner. Alouette, gentille alouette. Le canard est bavard. Le nid d'abeilles sauvage. Mmh, bon, voilà. Bon, après demain c'est que j'arrêtais pas en fait de spammer demain l'animation qui faisait bah, le plus plaisir et pour moi ça faisait mal parce que toujours Genre par ici, c'est. Enfin, ça arrêtait pas de finir. Euh, donc, ici, bien sûr, au coup, à pas oublier par contre, ici c'est top. Top, c'est un peu si vous voulez le... Bah, le menu pause en gros. Entre progression, éducation, accès, livre, carte, inscription, aide, son et sortie. En gros, sortie par c'est quitter le jeu. Et donc, du coup, alors là, bien sûr. Euh, je suis pas un enfant, je suis un adulte. Ouais, mais c'est pas toi qui décide Non, c'est moi qui décide. Euh, non, du coup, alors, bien sûr, on a, on a donc une grenouille. Une grenouille qui, lui, par va nous faire la lecture entre un livre bleu et un livre rouge. Et là, par exemple, bien sûr, dans un, euh, si vous voulez, bah, qui est euh, bah, un mini-jeu où t'as Fred le singe, je remonte un truc avec les fourmis, et je remonte un truc avec le théâtre. Bon, ça suffit, Sam, là. Bon, et si on faisait un petit peu de lecture Parce que c'est les chemins de la lecture. Et si on faisait le bleu livre 1. quelle direction prendre essaye de deviner quel chemin nos amis vont prendre hmm. ok tu as autre chose à dire clique sur la flèche pour tourner la page mm -hmm. bon voilà si vous voulez, un peu si vous voulez, par exemple, en fait quand vous allez ouvrir un livre vous avez entre euh, ici l'écriture et normalement ici sera le dessin et je crois bien que si tu cliques ici c'est pour qu'il répète tout coup si vous voulez la euh, la phrase en question hmm. et par contre j'avoue que la voix est très particulière. Ce chemin va dans deux directions. Ce chemin va dans deux directions. Chemin. Ah oui, par ben ici là vous avez le texte et le dessin. Ici vous cliquez au coup les mots en question si vous voulez ben apprendre du genre. Direction. Dans. Chemin. Et si vous cliquez ici c'est pour répéter si vous voulez la phrase en question du genre. Ce chemin va dans deux directions. Ce chemin va dans deux directions. Et donc ici par là, vous avez un dessin, c'est que si vous cliquez par exemple, une fois, ça affiche la couleur, mais si vous recliquez, ça fait disparaître la couleur. Bon, vous voyez, si vous un peu, genre le topo, je vais pas refaire ça à chaque fois, mais après, je vous ai c'est que vu que c'est plus souillé si de la lecture littéralement, il y aura par exemple des moments où bien sûr je vais me taire, me taire, puisque c'est plus ce coup à, à écouter, de lire, là, et de découvrir l'histoire. Le chemin monte entre les arbres. Et il descend dans la vallée. Regarde, il y a une voiture sur le chemin. Hmm, c'est là, je crois, c'est ma préférée. Hein. Regarde, il y a une voiture sur le chemin. Oui, c'est une voiture. Qui est dans la voiture Ce sont Sam, Mimi et Lapin Malin. Ben les trois protagonistes de cette licence, si je peux dire. Oui Montons entre les arbres, dit Sam. C'est un nouveau chemin. C'est un nouveau chemin. Non, descendons dans la vallée, dit Mimi. J'aime l'ancien chemin. J'aime l'ancien chemin. Monter ou descendre Se demande Lapin Malin. Le nouveau chemin ou l'ancien chemin hmm. Monter ou descendre Crac, bang, pan, fait Buster la voiture. Pan, bang, crac. Ah oui, c'est vrai. Et là, donc, si vous voulez, par entre-là, dans ce j'allais dire dans, dans ce jeu ou cette licence sans... non en fait c'est dans ce jeu on a bien sûr un compagnon qui est euh, ben bah, une voiture entre guillemets, qui met entre attention j'ai mis des guillemets bah il s'appelle Buster aucune excuse Butters, ça hein, mec faut jamais lui tirer dans la bite j'ai bâti Butters j'ai dit Buster la voiture et c'est cette voiture là Oui, donc voici donc Buster la voiture, donc qui est une voiture orange et tout, et qui en gros, bien sûr, accompagne nos amis. Et du coup, c'est. Buster Buster Crac Bang Pan Crac Bang Pan Fait Buster la voiture. Pan Bang Crac hmm. Par contre, il y a un truc là, je ne suis pas en d'y penser euh, que maintenant, c'est que par contre, Buster la voiture. Il me fera appeler aussi une autre voiture de ce même type qui a dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Non, 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 c'est vraiment une ref. Bon, attendez, je, crois même je vais plutôt mettre un gif là pour montrer. Mais en tout cas, c'est bien cette voiture là Ok, ben, euh, je sais pas si c'est une inspiration par là, mais en tout cas, c'est bien un truc là c'est une voiture vivante là où tu peux piloter et voilà. Donc, bien sûr, Buster, la voiture. Buster aime le nouveau chemin. En route vers les arbres. Buster a choisi le nouveau chemin. D'après toi, que vont découvrir nos amis sur ce chemin mmh, Aucune idée. Si tu étais une voiture comme Buster, quel son ferais-tu Bah, je questionnerais, hein. Et fin. Et donc, du coup, voilà. On a fini de lire là, qui est, bien sûr, affiché par une étoile. Bah, du coup, bah, allez, on va vous profiter faire, qui est le rouge Livre 2. Réfléchir à de nouvelles choses. Regarde bien toutes les choses que Lapin malin voit sur le chemin. Bon, là après, j'avoue là que j'avoue que ce genre en fait où il y a les parties livres là, c'est on peut suivre, vu que c'est plus si vous voulez de la lecture qu'autre chose. Mais aussi, c'est en plus des moments où je dis carrément, mais me taire, là, C'est de la lecture, donc c'est plus au coup que C'est poursuivre l'histoire. Il suffit d'écouter le son de ma voix. Allez, on y va donc pour le livre 2. Les amis sont sur le nouveau chemin. Il y a beaucoup de choses à voir. Mmh. Lapin malin voit un rondin. Cela le fait réfléchir. Mmh. Oui crie Lapin malin. Lapin malin voit un sac. Cela le fait également réfléchir. Hmm. Oui crie Lapin malin. Oui Oui Lapin malin voit un ballon. Cela le fait également réfléchir. Hmm. Crie Lapin Malin. Oui. Oui. Lapin malin voit une abeille. Cela le fait également réfléchir. Oui Oui crie lapin malin. Oui C'est vrai, le nouveau chemin est amusant. Il y a beaucoup de choses à voir. Oui! Lapin malin a vu une abeille sur le chemin. À quoi te fait penser une abeille? Si tu étais une abeille, quel son ferais-tu? Bon, voilà. Et donc, du coup, par entre. Là, on a fait en gros sauter les, les livres. Donc bien sûr qu'il a la lecture, c'est bien sûr c'est ce n'était une étoile. Par contre, je ne peux toujours pas cliquer dessus vu que c'est pas encore fait. Puis c'est offert entre les livres et surtout le mini-jeu. Qui avec, par contre, on est parti pour faire le tri de Fred. Mmh. <laughs> je suis Fred le Singe. Waouh des pierres précieuses. Il y a un mot particulier sur chacun de ces paniers. Trilé d'une façon particulière. Clique sur le couvercle qui a le même son. Clôture. Bon, et donc du coup là, bien sûr, voici donc bien sûr Fred le singe, qui est ici donc. Et alors ce mini jeu pendre, c'est carrément où c'est... Euh, ben, euh, je remets normalement, attention, je remets qu'il y a entre... Euh, oui, euh, deux niveaux. De niveau ça c'est plus le premier où il faut mettre bah, euh, la gemme dans le pont où il y a le mot. Du coup c'est... Clôture. Clôture. Bah du coup c'est au milieu. Clôture. Hmm. Planeur. Hmm. Et voilà donc ainsi de suite. Et euh, attention moi j'ai vu les têtes de sages bouger. Chelou. Planeur. Place. Hmm. et je crois même que normalement c'est Ah oui, c'est vrai. Tu dois faire ce mini-jeu trois fois et quand tu passes le suivant trois fois aussi. Vu que par là lancementement que quoi il a fini, ça crache un cristaux qui est s'accroché là. Du coup, c'est Place. Bah, milieu toujours. Merci beaucoup! Waouh! Oh. Hmm. Bon, et voilà, en gros donc, ça a craché et ça a mis ici. Bon, après là, j'avoue, c'est que vu que c'est plus, si vous voulez, aussi un mini-jeu qui, qui se fait beaucoup plus, si vous voulez, entre. Bah, ça, bien sûr, la vue, pour comprendre ce que c'est, mais après, surtout aussi par le son. Surtout au niveau de l'ouïe, surtout. Hmm. Bon, alors, voyons voir. Mmh, il a dit Blinis Alors oui, c'est vrai que par contre il y a parfois des moments où c'est euh, Si tu fais fou là il peut y avoir une animation Qui peut être euh, bah, assez marrant Bon allez Blinis Blinis <laughs> Hey okay. Qu une de ces jarres a un son particulier. Bleu. Fleu. Fle, gl Trilé d'une façon particulière. Écoute les débuts de son des mots. Clique sur le couvercle qui a le même début de son que ce mot. blâmer mmh. Et donc là, donc là, on est passé un peu au niveau 2. Oui, donc là au niveau 2, là maintenant c'est des pots qui sont ben, un peu dorés. Et bien là, c'est vraiment. Oula, parce que ça se joue par contre sur le son, parce que bleu. FL. GL. Et donc du coup c'est... flammer Bah ben là c'est plutôt FL. Pas ben, du coup c'est milieu. FL. Oh, mais attends j'ai mal entendu ou quoi Blamer, blamer. Attends j'ai entendu flammer mais est-ce qu'il veut pas dire genre blamé Et donc, bien sûr, là, vu qu'en gros, là, il y a eu ben, un refus. Du coup, il essaie d'ouvrir le couvercle, mais ça marche pas. Il est collé. Bon, là, du coup, c'est. Flûte. Flûte. Donc là, normalement, c'est bon. Flûte. Hmm. Hmm, bah, ben, normalement, c'est sur sa gauche. Glou. Tris. Wow. Mmh. Gloire. Tu sais qui est là au d'où sur ce téléphone Mais euh, après, baron quand j'ai dit au coup pour l'autre fois là, c'est que là que en fait, c'est va être plus entre les livres éliminés. Je par je veux carrément plus notre terre Bah c'est plus au coup, bah c'est carrément plus de l'entente. Et du coup, il a dit. Gloire. Gloire. Ou gloire. gloire gloire, hein. Gloire Plus Plus, donc c'est à gauche Plus Glisser Pas, mmh, bah, milieu Glisser Blah. Bon, ok, donc là, et bien sûr, quand on a bêté, là, ça 3-3-3-3. Donc, euh, donc je vous jure, là, c'est un truc là où c'est dès que vous comprenez un coup la première fois pour les suivantes là, il y a zéro souci. Hein. C'est juste là, juste faut un peu se rappeler que par contre, euh, si le premier niveau c'est un peu facile, les suivantes par contre là, ça va être plus dur. Surtout, je remarque que le dernier est assez complexe. Blah, blah. Super trailleur de son! Et donc, du coup, voilà, on a fait le mini-jeu et les deux livres. Par ici, le bon repas, miam miam. Par ici, le bon repas, miam miam. Par ici, le bon repas, miam miam. Les marguerites font salon. À qui sont ces traces de pas? Alouette, gentille Alouette. Le canard est bavard. Hmm. Bon, allez, on y va, on avance. Clique en t'amusant à la recherche du ⁇ en ⁇ puis pour ton entraînement, régale-toi de mots riment en ⁇ en ⁇ Hum, cerf Les cerfs volent dans le vent. Les flamands flânent en jouant d'un instrument à vent. Le pélican. Les oranges se mangent à tout moment. La mandoline. La mandoline. Les oranges se mangent à tout moment. Les oranges se mangent à tout moment. Mmh, ouais, bon. Et donc du coup par exemple, là, on a avec compte euh, bah, l'ifourme qui s'appelle Ben fait les rimes Donc si Fred c'est les sons, Ben c'est les rimes et, euh... Je suis Sam, c'est moi, c'est moi Oui, euh, on a tous compris. Et je reviens moment le troisième, c'est pas un théâtre là, mais ceci, c'est avec que euh, je reviens les. Euh, je remets les syllabes. Bon, bref. Bon, allez, on y va. Alors je que je me dis que c'est plutôt, faire d'abord les livres et. Qu'est-ce qu'il faut que ce ici J'allais dire, on, est... on va faire donc en gros d'abord, c'est les livres et on finit par le mini-jeu. Livre 3 Le cerf-volant de Mimi. Devine ce qui peut se passer. Si Mimi fait voler son cerf-volant, le soleil brille, une feuille tombe de ci, de là. Faisons voler mon cerf-volant, dit Mimi. Un cerf-volant dit Sam. Bonne idée Faisons voler mon cerf-volant Mimi et Sam courent. Le vent emporte le cerf-volant de plus en plus haut dans le ciel. Je peux courir plus vite que toi. Le vent emporte le cerf-volant par ici. Le vent emporte le cerf-volant par là. Le vent tombe à présent. Le cerf-volant ne va plus pouvoir voler. Je peux attraper le cerf-volant dit Mimi. Elle saute mais n'y arrive pas. Je peux attraper le cerf-volant dit Sam. Il saute mais n'y arrive pas. Crunch, crunch, crunch Qu'est-ce que c'est Crunch, 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 crunch Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Miam dit Annie. J'aime bien croquer les feuilles des arbres. Mmh. Mmh. Annie dit Mimi. Ce n'était pas une feuille, c'était un cerf-volant. <tousse> Ce n'était pas une feuille <tousse> Le cerf-volant de Mimi était coincé dans un arbre. Que s'est-il passé après Quel goût penses-tu qu'un cerf-volant peut avoir hmm. Voilà, du coup, une étoile de fait et on passe à l'autre. Est-ce que M. nous dit quelque chose Pour entraîner ton esprit, tu dois faire faire de l'exercice à ton corps. Hum, il n'a clairement pas faux. Livre 4 Qu'y a-t-il dans le puits Essaie de deviner ce que les hommes voient dans le puits. Ce chapeau me rappelle une histoire, dit Lapin Malin. Puis-je l'entendre demande Mimi. Un homme entend quelque chose. Qu'est-ce que c'est se demande-t-il. Il sort pour voir. Qu'est-ce que c'est L'homme regarde ici. L'homme regarde là. Il entend alors un bruit qui vient du puits. Qu'est-ce que c'était L'homme regarde au fond du puits. Il y voit un homme avec un chapeau. On dirait mon chapeau pense-t-il. Ce chapeau ressemble à mon chapeau. Il y a un homme en bas pense-t-il. Et il a mon chapeau Cet homme est un voleur il y a un voleur dans le puits! L'homme appelle un ami. Il y a un voleur dans le puits! dit-il. Il a mon chapeau! À l'aide! Les deux hommes regardent mmh. à présent au fond du puits. Je vois deux voleurs! dit l'ami. Et un des voleurs a aussi mon chapeau! Je vois deux voleurs. Un enfant passe par là. Il y a des voleurs dans le puits, crie l'homme. Allez! L'enfant regarde au fond du puits. Ce ne sont pas des voleurs, dit l'enfant. Vous voyez deux hommes, mais ces deux hommes ce sont vous. <smans> Ce ne sont pas des voleurs! Oh, j'aime bien cette histoire! dit Mimi. C'était amusant! Les hommes se sont vus dans le puits. Comment ont-ils fait cela? Si tu te trouvais près d'un puits, quel vœu ferais-tu? Hmm. Voilà, donc deux livres sont faits, donc euh, attends. Tu rediriges quelque chose Pour entraîner ton esprit, tu dois faire faire de l'exercice à ton corps. Hum, il dit vraiment de beaux paroles. Enfin, de très belles paroles. Bon, allez, on est parti pour faire Ben fait des rimes. Salut, je suis Ben. Hé, hey, regarde toute cette nourriture. Les mots qui riment se terminent par le même son. Faisons des rimes écrites. Clique sur la nappe au-dessus du mot qui a la même rime écrite que ce mot aliment. Prudent. Et donc, du coup, voici, par exemple, le brigand de ce jeu qui, euh, ben, c'est le truc là avec, bien sûr, ben fait des rimes. Donc, vous avez on va préparer, en gros, des sandwiches. Mais pour ça, attention, il y a un mot qui a, par contre, si vous voulez, qui doit avoir la même rime. En gros, gauche, milieu ou droite. Du coup, euh, ben, normalement, cette rime, c'est prudent. Mais attention, par contre, c'est à gauche, pas au milieu. Parce que lui, il commence par un E. Alors que celui-là, c'est par un A. Du coup, on fait content. Content. Prudent. Pliant. Du coup, au milieu. Gluant. Pliant. Cousin. Milieu. Pliant. Cousin. Métal. Droite. Total. Métal. Piment. Mmh, gauche. Prudent. Piment. Idéal. Droite. Métal. Idéal. Mmh. la <laughs> ta ta Donne-moi à manger. <laughs> Océan. Voilà, et par contre bien sûr assis de suite et je crois bien, par exemple, pour celui-là, tu es obligé de faire trois euh, sandwichs, Donc 3 sandwichs là, puis ensuite ça se cale ici. Euh, du coup, océan, pas bah, gauche et après par contre bien sûr, comme pour l'autre là, ben bah, euh, c'est euh, tellement si vous voulez euh, ben bah, classique, mais surtout c'est que il euh, y a pas grand chose à rajouter. Hein. C'est juste là c'est tu écoutes et tu essaies de trouver la bonne réponse. Hein. Donc euh, c'est clair que là, il euh, y a pas que par entre là que une fois que vous avez compris le truc là, je crois au coup de me taire. Hmm. Alors. Boucan, pas détail. Ok, pour bon, les donc Du coup, on met ici. Boucan, océan. Repas. Pas, repas. Ta. Repas. Ta. Pélican. Océan. Pélican. Bétail Détail Bétail Vitrail hmm. J'en ai pensé mais vu que j'ai montré au cours juste une photo là dans, euh, dans le loge avec Fred, je vous montrais par exemple sur celui-là. Pélican Lila Ouais, donc du coup en fait là si vous voyez si vous avez faux ça désintègre littéralement euh, l'aliment. Ta lila Portail Bétail, portail, vitrail, portail, vitrail, en, pélican, en. C'est bon, ok idiot. Emportez-le. Barre. Hmm, on doit se boy d'un coup. Barre. Barre. Surface. Face. Surface. Pliage. Cage. Pliage. Lascar. Barre. Lascar. Place, surface, place, autocar, lascar, autocar, étage, pliage, étage, péage, étage, péage, star, autocar, star. Vivace. Place. Vivace. Audace. Vivace. Audace. Page. Péage. Page. Page. C'est bon. Ok, idiot. Emportez-le! Qui a mis des oignons dans le sandwich de Sam? Hmm. Et donc, du coup, voilà, et par contre, la troupe sûr sûr de Bad Federim, là, c'est des sandwichs. Alors que pourtant, celui de Fred le singe, c'est des diamants. Bon, du coup, on a fait le niveau 2. Bah, du coup, elle est partie pour faire, bah. Ben... Oui, c'est bon, on avance, pas la peine de faire le truc là, ce masque. I, I Allez, on avance. Les mots sont faits d'éléments appelés les syllabes. Clique sur la scène des syllabes pour voir le spectacle des syllabes en fait. Mmh. Ah, ça y est, là, je vois pas très bien. Et je crois que celui-là, ça me faisait beaucoup marrer, en fait, quand tu... Bah, quand tu échouais. Grand Plus grand Le plus grand Oh ça, je m'en rappelle. Oh ça, je m'en rappelle rien parfois ça me faisait rigoler. Près du monstre. Sur le monstre. Dans le monstre. Hum. Ouais. Bon, attends, je remets une couche. Près du monstre. Sur le monstre. Dans le monstre. Hum. Attends, y'a a pas de chose. Non. Non bon, très bien. Euh, attends. Est-ce que tu as quelque chose à dire Vers le bas et vers le haut. Hum. Vers le bas et vers le haut. Hum. T'as tu sais vu quoi ce son qu'il a fait Il a fait. Il a fait... Hum. Bon, allez, on y va. On fait le bleu. Livre 5 La course. Regarde quel ami court le plus vite. Je peux courir plus vite que toi, dit Mimi. Non, tu ne peux pas, dit Sam. Je suis la plus rapide, dit Mimi. Non, je suis le plus rapide, dit Sam. Je suis le plus rapide. Arrêtez, arrêtez, dit Annie. Regardez, je vois une piste. Vous pouvez faire la course. Arrêtez. Je suis faire la course. Demande Annie. Oui, tu peux faire la course avec nous. Dit Sam. Les amis sont sur la piste. Tut, tut fait Buster la voiture. Les voilà partis. Tut. <tousse> Annie est rapide. Sam est plus rapide. Mimi est la plus rapide. Mimi est en premier. Hum. Sam court de plus en plus vite. À présent, c'est Sam le plus rapide. Hum. À présent, Sam est en premier. Voilà qu'Annie court plus vite. Qui va gagner Regarde Annie. Son nez arrive en premier. Mais regarde ses pieds. A-t-elle gagné Tous les amis ont couru vite. D'après toi, qui a gagné la course À quelle course as-tu participé Voilà, le bleu est fait, on passe au rouge. Livre 6 Buster et le pont. Regarde ce qui va se passer quand les amis traversent le pont. Buster, la voiture, arrive à la route de la falaise. Elle veut monter le chemin. Tu-tu-tu, fait Buster. Le chemin passe entre les arbres, puis il monte la falaise. Buster va vers le haut. Les amis regardent vers le bas. Buster arrive à un pont. Ce pont n'est pas sûr dit Lapin Malin, nous allons tomber Allons dit Sam, ce pont m'a l'air très sûr. Allons-y Allons Buster s'engage sur le pont. Le pont tremble, puis... Je n'aime pas la tournure que cela prend. Crac Le pont n'était pas sûr. Crac wow. Les amis tombent. Ils tombent de plus en plus vite. Qu'est-ce qui peut les sauver À l'aide Pont Crac Pont fait Buster. Crac Pont Crac Qu'est-ce que c'est Buster était une voiture. Maintenant, c'est un avion. Buster sauve ses amis. Où vont-ils aller Buster, l'avion, a sauvé ses amis. Où penses-tu qu'ils vont aller maintenant Si tu étais Buster l'avion, quel son ferais-tu Et voilà, donc là on a fait les livres. Bon maintenant c'est parti pour faire le syllabe en fait Bonjour à tous, bienvenue aux syllabes en fête où les sons s'assemblent pour faire des syllabes et les syllabes s'assemblent pour faire des mots, n'est-ce pas passionnant Et voici entrant sur scène cool Gumbalina et la grosse Tina. Je vous présente le mot lapin. Bon, ici, donc en gros là, c'est carrément donc le, pas bah, le syllabe en fait. Donc en fait, c'est il faut trouver en fait qu'est-ce qu'il a fait quoi pour composer le mot. Comme par exemple, lapin. Lapin, lapin. Je vous présente le mot moto. Mmh. Bon, ceci, ouais, je vois ce qui se passe si vous échouez. Lu. mot. Ah, -e désolé. Ça, ça me fait pas fort rigoler. Genre carrément, quand tu refuses, c'est moto. Ah, -e désolé. Et hop, tout le monde se barre. Mot. Re. Ah, -e désolé. Bon, allez, je comprends le mot correctement là. Mo -to, mo -to, moto, moto, moto. Laissez-moi vous présenter le mot arbre. Arbre, ar arbre, arbre. Et maintenant, le mot vélo. Mmh. Et ça, par contre, tu dois faire chemin euh, oui, trois fois. Puisqu'il y en a un aussi qui se trouve en, en chenille. je crois, après, l'autre qui se transforme en. En quoi déjà mmh. Bon, Une sorte de chen. Je trouve un autre ou un chenille. Puis ensuite il se met en cocon et là ensuite il devient en gros le papillon star. V. L'eau. -lo, v. Vélo. Vé -lo. Choisis parmi ces syllabes pour faire le mot bébé. B. Bé, B. Bé... Ah, euh, désolé. <laughs> Comme il se barre, ça me fait parfois marrer. B. 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 Bé, B. Bé. bébé. Et le suivant. Tortue. tortue, 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 tortue Et maintenant pour le plaisir de vos oreilles, pomme hmm. Par de la pomme ressemble un peu à Pixar de Minecraft ça hmm. Je sais pas si l'aspiration était de là Pomme, me, pomme, me Pomme Le mot est ballon ballon, long, balle, long Ballon. Ballon. Voici le mot auto. O-to, o auto, auto. auto. Juste là, au balcon, la star papillon star. Vite avec ce superbe sourire, hum. et donc du coup, voilà. Et du coup, ça fait changer en forme de papillon Et là, par contre, on est parti. Alors, attention, on est parti pour faire le dernier mini-jeu. Mais attends, je veux juste comprendre. Vous faites voir. Donc, si je fais pas entre la, la carte, oui, sur si en fait, la carte ici, on... enfin, la map plutôt. En, gros, en fait, si le nombre là, carrément, il est tout au noir, c'est qu'il est fait. S'il si est en blond, c'est à dire qu'il n'est pas encore fait. Bon, du coup, on y retourne. On est parti pour faire le pont. Enfin, surtout le pont au piège, qui j'avoue est un mini-jeu où je m'amuse beaucoup à faire un peu le le petit sadique. Hé, hey, Buster, attends-nous Oh non Le pont au piège piégé par la patiente Buster. Essaye de le dire trois fois de suite. Le pont au piège piégé par la patiente Buster. Le pont Sam, je plaisantais. Nous devons reconstruire le pont avant de pouvoir traverser. Reconstruire le pont? Comment? Regarde, des morceaux de pont avec des mots dessus. Clique sur le mot volant qui complète la phrase ci-dessous. Hmm. Voilà et donc du coup ce mini jeu évidemment c'est en fait de, de sur le pont avec en question mais pour ça il faut trouver le mot parent qui colle à la France et surtout qui a du sens ah bien sûr et sûr, vous pouvez cliquer au coup sur le poster pour qu'il fasse des animations hmm bon alors ce mm, n'est pas sûr c'est le pont pont ce pont n'est pas sûr. Oh, ah oui, et là, pourquoi j'utilisais le petit sadique Car il y a par exemple, euh. Nouveau. Il y a un voleur dans le nouveau. Je ne comprends pas A l'aide Je tombe bah, J'ai presque mordu la poussière C'est le bon bien fait barrer. C'est raciste, ça, monsieur. Non, c'est pas du racisme. Bon, par exemple, la bonne réponse était le puits. Puis. Il y a un voleur dans le puits. Il y a une voiture sur le chemin. Voiture. Il y a une voiture sur le chemin. Euh, hey, comment est-ce que c'est arrivé Oh non, nous devons reconstruire le pont. Maintenant, c'est à toi, Mimi. Prêt ou pas me voilà. Hmm. Ce chemin va dans deux directions. Deux. Ce chemin va dans deux directions. Dans hmm. ce hmm. chapeau. Ce chapeau ressemble à mon chapeau. Hmm. Nuage. Cet homme nuage un ami. Mmh, je ne crois pas. Oh, C'est une longue descente. Appel. Cet homme appelle un ami. <laughs> bon, alors... Euh... <laughs> non, il vraiment j'aime Ça me fait trop marrer, en fait. Genre, que genre, pourtant, il saute. Il a ses... Oh, non, 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 non. Je refuse. Alors, Annie aime mm, croquer. Croquer. Annie aime croquer les feuilles des arbres. C'est moi qui ai fait ça. Allez, lapin malin. J'arrive tout de suite. Le vent emporte le mm, par ici. Mm. Cerf volant. Le vent emporte le cerf-volant par ici. Mmh, bon, allez, juste pour la blague, mais je remarque qu'à partir de la troisième là vraiment, c'est recommencement. Devoir. Les deux hommes regardent au devoir du puits. Je ne me souviens pas de cette phrase dans le livre. <rire> <rire> Ça, j'avoue, ça, c'est un peu le truc du game Genre, littéralement. Tu recommences. Alors, faisons voler mon, mon. cerf-volant. Faisons voler mon cerf -volant. Buster veut. Buster veut monter le chemin. Tu peux. <coughs> Tu peux faire la course. Je crois moi, c'était le truc qui me faisait marrer. Non, c'est faire la course. Course. Tu peux faire la course. Hmm. Eh. Et... Qui est dans la voiture Bon, allez le petit dernier. Bon, par endans, c'est bon. je vais montrer un peu à chacun leur frayeur là. C'est bon. Euh, Annie aime croquer les feuilles des arbres. Feuilles. Annie aime croquer les feuilles des arbres. La prochaine fois, Buster, évite de piéger le pont. Nous voici dans les tropiques. Clique sur les objets qui contiennent le son E. Puis sans attendre, lis des livres. Trie les sons pour nous permettre de poursuivre. Mmh, ouais, bon, tout ça. Et donc là, je crois bien que si je regarde au niveau, de, au niveau de la carte. Allons voir la carte Oui, donc littéralement, on a fait carrément, si vous voulez, la première zone. Entre 1, 2, 3 niveaux. Bon, 6 livres, 3 mini-jeux, plus le pont. Donc, du coup, on a carrément fait, si vous voulez, une zone finie. Et du coup, ça est bien sûr pareil pour celui-là. Enfin, celui-là, si tu comptes le pont. Celui-là aussi, celui-là par là. Et celui-là un peu par la fin. Mmh. Donc, voilà, si vous voulez, un peu en gros. Allez, on retourne. Et donc du coup, je vais m'arrêter ici. Bon. Très bien, alors que je me dis que vu que je peux ni sauvegarder, ni revenir sur ma partie. Parce que je dis que par contre, je vais tourner ça en one-shot. Non, par contre, je peux dire, apprécier préciser que... Quelle les... belle journée. Ouais, mais... Que par contre, les épisodes suivants, littéralement, je pourrais pas lire vos commentaires, vu que par contre ce sont des épisodes qui sont déjà... Euh, pas déjà tournés, Et que bien sûr, vu qu'après, il, il y a cinq sections, ça fera par 5 cinq épisodes en y a tout ce qui est revenu. Et donc, si vous voulez, euh, voilà le topo. Est-ce que tu as quelque chose à dire C'est tout ça. Bon, très bien, bon, allez. C'est la fin de ce premier épisode donc sur l'Appoman les chemins à la lecture. Like, comment, partage, abonne-toi, et cloche à ça tu te TikTok. Bon, du coup voilà, c'est lié pour les chemins à la lecture. Mais je tiens à, prendre, à rappeler, c'est que par exemple, l'Appoman les chemins à la lecture et voyage en pays de lecture, c'était les jeux parentes que j'avais quand j'étais à l'école. Il n'y avait que par exemple l'Appoman et les pirates où j'avais de manière personnelle chez moi à la maison. Donc voilà le topo. Bon allez, moi je vous dis une chose, c'est tchuss